ta vie, tu vas te tromper sur plein de choses. Moi, ça m'arrive de me tromper quand même assez régulièrement, mais pour se tromper, pour pouvoir et se permettre de se tromper, il faut avancer, il faut engager des choses. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc écoute, j'avais besoin de faire un break, j'avais besoin surtout de me concentrer sur mon business et j'avais besoin aussi surtout d'organiser proprement mon planning pour m'organiser et ne pas me brûler à faire plein de choses parce que je commençais à me brûler à partir sur YouTube, à partir sur Instagram, à partir sur plein de choses. Donc, je fais moins de vidéos peut-être, mais en tout cas, j'essaye de faire des vidéos qui sont, on va dire, plus qualitatives. Et si je le sens pas, je le fais pas, tout simplement. Alors, aujourd'hui, sur le sujet de la peur de se tromper. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un métier qui ne te convient plus, tu es dans une profession qui te saoule, tu n'as plus de motivation, t'es dans une activité qui n'est pas faite pour toi, tu le sens vraiment au fond de toi, et tu te dis, ok, je veux changer, je veux m'orienter, me réorienter, mais je ne sais pas dans quoi, et surtout, j'ai des peurs. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo trop longue sur ça. Ce que je veux faire, c'est aujourd'hui te donner 3 astuces, aborder 3 points qui, j'espère qu'ils vont pouvoir t'aider à y voir plus clair dans ta vie en ce moment, à prendre des bons choix et puis voilà, surtout pour ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Alors, déjà, première chose, ce que je veux faire, c'est te dire que tu as peur, donc la peur que tu as en ce moment, ça peut être sur ton boulot, ta vie personnelle, tes projets, tes futurs projets, c'est que ta peur, en fait, c'est... Elle n'est pas physique. Okay. Ça, c'est physique. Par exemple, je le touche, d'accord. La peur que tu as en ce moment, la peur que tu construis, ça vient de là-dedans. Ça vient de ton cerveau. Donc, moi, ce que je te recommande, et je le dis dans beaucoup de mes vidéos, je le conseille aussi aux personnes que j'accompagne, c'est que je te recommande d'écrire tes peurs. Tu prends un stylo, une petite couleur, si tu as envie. Tu prends des papiers, un papier, et tu notes. Tu notes tout ce qui te vient en tête. Toutes tes peurs, tu les notes. Tu les poses par écrit. En les posant par écrit, en fait, ce que ça fait, c'est que ça te permet de les conscientiser, ça te permet de les voir, de les lire et de te dire que ces peurs-là, elles ne viennent pas de l'extérieur. Ces peurs-là viennent de toi. Tu as des peurs, j'ai des peurs, tout le monde a des peurs. Mais il faut bien comprendre que cette peur-là, tu peux la surpasser. Deuxième chose que je te recommande, c'est que on est dans une situation actuelle qui est donc le coco machin, je l'appelle le coco machin. Les médias, les politiques, tes amis peut-être, ta famille, ton entourage, ton environnement, peut-être qui, je dis bien peut-être, n'est pas le meilleur pour toi. Et quand je dis ça, c'est que même pas, si ça se trouve, tu t'en rends même pas compte. Les échanges, la communication, les appels, les visios que tu peux faire avec tes amis, peut-être que tu es confiné, là je suis en train de faire la vidéo. Moi, j'habite dans le sud de la France, à Cannes. On a un couvre-feu, on est le 2 janvier, on a un couvre-feu à 18h. C'est vrai que parfois, le soir, si quand on sort du boulot, on va aller voir des amis ou quoi, on peut pas. Donc, c'est un peu plus complexe. Donc, quand tu échanges avec des proches, quand tu échanges avec des gens qui te sont chers, c'est de faire attention aux discussions et de t'apercevoir, de te rendre compte que les discussions que tu as ne sont pas forcément positives et donc qui peuvent te renforcer les peurs que tu as et même voir t'en donner et t'en mettre dans la tête. Okay ? Donc fais gaffe quand même au niveau du contexte actuel parce que déjà on a notre vie à gérer et puis en plus de ça on a le coco machin qui prend quand même beaucoup de place dans notre vie et enfin en tout cas qui prend de la place dans les activités qu'on peut faire à l'extérieur quand on sort de chez soi. Fais gaffe à ce que tu écoutes, fais gaffe à ce que tu visualises. Et ton environnement, fais-y bien attention parce qu'il peut contribuer à te mettre des choses dans ton esprit et surtout du mauvais carburant, comme je dis, du mauvais fuel qui n'est pas bon pour toi. Troisième chose, troisième point que je veux aborder, c'est que pour essayer de combattre une peur, ce qu'il faut faire, moi personnellement je le fais, c'est que je vais vers cette peur, j'essaye d'aller vers cette peur. Alors, ça fait pas longtemps que je le fais, mais moi ce que je te recommande aujourd'hui, c'est de... Encore une fois, tu écris tes peurs et c'est d'aller, de foncer vers ces peurs-là. Ça, perso, je l'ai appris. Je te fais pas une vidéo en me disant voilà, je sais tout et j'ai pas la prétention de tout savoir. Mais en tout cas, il y a beaucoup de coachs et il y a beaucoup de personnes dans le développement personnel qui abordent ce sujet-là sur la peur et
qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Et je le vois dans ma vie, je le vois dans mon business, je le vois dans mes projets. Si on veut progresser, on doit foncer vers ses peurs. Et en plus de ça, c'est un bon, on va dire, c'est un bon cap, un bon gouvernail, voilà. C'est un bon gouvernail parce que si tu dis que tu as peur, par exemple, tu dois aller voir ton patron pour une augmentation, ok, ça veut dire que peut-être que c'est le bon moment. Si tu penses déjà à cette augmentation, évidemment, tu as peut-être des peurs sur ça, mais peut-être que c'est le bon moment. Au passage, j'ai déjà fait une vidéo sur l'augmentation, pour demander une augmentation, donc n'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Donc si tu ne te lances pas et si tu ne vas pas te confronter à cette peur qui part de ton esprit, qui n'existe pas, qui n'est pas physique comme je te le disais, tu vas stagner et tu vas rester dans cette situation qui n'est pas forcément bonne pour toi. Voilà, donc sache que les peurs, ça existera toujours. Si tu as peur de te tromper, si tu as peur de faire des choses, si tu as peur d'engager, si tu as peur d'actionner pour ta vie, là, j'ai pas de montre là sur moi, mais sache que le temps, il passe. Le temps passe. Et là, on est dans une nouvelle année, on commence une nouvelle année. Quand est-ce que ça va être le bon moment? Ah, bah, je vais reporter mon projet au mois prochain. Combien de fois j'entends ça, les personnes qui peuvent me contacter, les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont vraiment besoin d'aide et qui me disent « Non, mais Damien, je suis pas sûr. Peut-être qu'on va reporter l'accompagnement. Peut-être qu'on va… » Voilà, c'est pas le bon moment. Je pense que si tu es dans un état en ce moment où tu veux te reconvertir, tu veux changer ta vie et que tu ne te sens pas bien et aligné par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu génères comme argent aujourd'hui, faut te lancer. Tu dois te lancer. Tu dois te lancer, pas pour les autres, mais tu dois te lancer pour toi. Pas pour les autres. C'est pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour tes objectifs, c'est pour tes rêves, c'est pour être heureux. Donc, la peur de te tromper, tu vas te tromper. Toute ta vie, tu vas te tromper. Sur plein de choses. Moi, ça m'arrive de me tromper quand même assez régulièrement. Mais pour se tromper, pour pouvoir et se permettre de se tromper, il faut avancer. Il faut engager des choses. Donc si tout de suite, tu n'engages pas des choses, bah, tu ne pourras pas savoir si tu t'es trompé ou pas. Et si ça se trouve, tu ne te tromperas pas. Sois dans l'action, avance, fais des choses, teste des choses. Et tu verras que la peur… Bah oui, elle est là, mais en vrai, progressivement, elle va chuter, progressivement. Si tu veux me contacter, tu as tout ce qu'il faut en dessous de cette vidéo, et puis liker, partager, tout ça, comme d'habitude, tu es assez grand et tu sais quoi faire. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi. Et comme je te disais en début de vidéo, une belle vie et déchire tout cette année et déchire tout dans ta vie pour ta vie. Ciao, ciao!